Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Intempéries climatiques, récession économique, migration, effondrement de la civilisation, destruction de la biodiversité, et moi, qui suis là, spectateur. Pourquoi tant de destruction? Pourquoi suis-je là à assister à ces événements? Quelle est donc ma raison d'être, d'être vivant ici et maintenant? Dans quel refuge se cache mon bonheur? Au regard des incessantes annonces alarmistes sur l'état de notre monde, nous pouvons avoir une vision brouillée sur les pas que nous devrions suivre pour nous accomplir individuellement, et une peur ancrée dans le bas du ventre comme une latence indigeste qui n'attend que l'insurrection intérieure. Quelle est donc cette peur, cette crainte qui nous installe dans une inaction vaseuse et insupportable, qui nous empêche d'atteindre le bonheur et la paix? La réponse est très simple, quoique parfois difficile à intégrer. La peur naît de l'ignorance. L'ignorance de ce qui est susceptible d'exister ou pas après la mort, l'ignorance d'une culture différente de la sienne, l'ignorance qu'un accident imminent est sur le point de se produire, l'ignorance que la vie n'est qu'un va-et-vient d'énergie, l'ignorance de ce qui se passera demain. Trouver une certaine sérénité en période de trouble est souvent difficile. Pour pouvoir y arriver, il faut décomposer les différentes couches qui composent la pensée de l'homme dans sa diversité. La peur, le bonheur, sont-ils culturels ou universels à l'homme? Dès notre naissance, nous baignons dans une éducation à l'image de la société dans laquelle nous sommes accueillis. En premier plan, la culture nationale, puis régionale, locale, familiale et individuelle. D'autres échelles, bien sûr, peuvent être mentionnées. Une étude publiée sur le site Kairos datant de 2014 a compilé les tweets et autres posts de différentes nationalités autour de la thématique du bonheur. Il s'agissait d'Allemands, de Malgaches et de Chinois. L'objet de cette étude, voir si la définition du bonheur est culturelle ou identique à chaque individu dans le monde. Tout d'abord les Allemands. Ils trouvent le bonheur dans le travail, les loisirs, la consommation et la spiritualité. On y trouve la volonté de se réaliser par soi-même, avec l'autre, comme appui seulement. Le travail bien fait est gratifiant, et la recherche de la performance amène au second point, c'est-à-dire des loisirs bien mérités. La consommation de biens qui s'achètent reste une composante forte de la définition de bonheur chez les Allemands. L'individu aspire également sur le plan mental et physique au développement et à la progression. Chez les Malgaches, la perception du bonheur est tout autre. « Mon bonheur, Dieu seul », cette citation résume assez bien la conception du bonheur malgache. Les valeurs religieuses sur la justice, sur l'égalité et sur l'espérance d'un monde meilleur au-delà de la mort sont transmises dans les institutions. L'Église aide les plus démunis par la construction d'infrastructures et d'actions humanitaires. Aussi, le bonheur se construit dans la religion. C'est également le rapport à autrui et être entouré de ses proches qui importent. Chez les Chinois, le bonheur réside essentiellement dans la famille. Il est important pour eux que tout soit vivant et en bonne santé. Le bonheur est également la modestie. Contenir le désir est une ligne de conduite courante amenée par différents types de pensées, tels que le confucianisme, le bouddhisme ou encore le taoïsme. L'entraide, l'acceptation que tout est en mouvement dans la vie font partie également de cette quête. De cette étude, nous comprenons que le bonheur est subjectif, comme la peur peut l'être. La subjectivité que notre éducation nous a inculquée est donc la clé de voûte de ce qui nous oppose à la subjectivité de l'autre. Aussi, plus j'apprends de l'autre, plus j'élargis mes connaissances et plus je peux comprendre, voire adhérer à l'autre. La raison de la peur est très souvent l'ignorance. Si nous revenons dans le contexte climatique actuel, nous comprenons dès lors que les décisions impératives à prendre pour sauvegarder l'humanité de l'extinction ne dépendent pas de notre subjectivité individuelle, 7,5 milliards de subjectivités ne font pas bon ménage, non, la réponse à apporter réside au berceau de ce que nous sommes, c'est-à-dire humains. À ce moment-là, imaginez faire tomber toutes les barrières de vos préjugés, embrasser l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du monde, qui font de nous des êtres vivants,
Et là, vous avez une possibilité d'échapper à la crainte, à la peur, à ce qui nous ronge sans qu'on puisse l'identifier ou le comprendre. Voilà exactement l'état de conscience dans lequel j'étais avant mes vacances d'été, un état d'éco-anxiété. Transi dans une incertitude du futur, un dégoût de l'humain, cupide et destructeur à souhait, et en profonde détresse face à la destruction de notre nature. Comment arrêter ce flux de pensées obsédant, les feux en Amazonie, la sécheresse sévère de cette année, la pollution de nos terres, de nos eaux, de nos corps, l'arrogance des élites à ne rien faire, les morts qui ne se comptent plus en Méditerranée, la perte progressive de notre humanité. Stop. Et je me suis recentré sur ma respiration. J'ai expiré fortement pour expulser chaque infime molécule de carbone tapissant mes poumons, m'incitant à prendre une inspiration longue, bombant mon ventre, remontant dans les côtes jusqu'aux épaules, et j'ai relâché tout doucement pour sentir le minuscule flux d'air se faufiler dans mes narines. Renouvelé 3 fois, cette respiration soutenue et inhabituelle m'a vidé complètement, mais surtout a stoppé le flux de mes pensées. La pensée qui définit nos êtres, la pensée qui nous permet de nous rappeler le passé et de construire l'avenir, la pensée qui nous permet d'imaginer nos propres réalités, bonheur ou crainte. Malgré son utilité, la pensée peut vite virer au cauchemar lorsque son entêtement à rester dans nos boîtes crâniennes nous inflige des souffrances que nous pouvons ressentir physiquement. Aussi, pour résoudre ces angoisses, s'installer dans le présent mentalement et physiquement, arrêter de supposer que, de regretter que, semble être une très bonne solution. Le présent est ici et maintenant. Atteindre cet état de vacuité permet de se recentrer, d'évacuer les pensées quelles qu'elles soient et de se laisser vivre, lâcher prise. La méditation est un excellent outil pour lâcher prise et atteindre une conscience plus universelle de nos êtres en se débarrassant progressivement de nos égos qui sont essentiellement reliés à nous-mêmes par la pensée. La méditation sans objet ou sans point fixe ou idée particulière a pour but d'observer les pensées défiler de manière distante pour ne pas s'y laisser prendre. Elles arrivent comme elles disparaissent, et comme après l'orage arrive le beau temps, à force de pratique et de régularité, les pensées disparaissent pour laisser place à l'immensité de l'univers et son impermanence dont nous faisons tous partie. Il ne s'agit pas ici d'ignorer les problèmes qui se passent autour de nous, mais de pouvoir s'exfiltrer des pensées néfastes qui sont responsables, in fine, de nos comportements. Quand vous vous énervez, essayez de retracer dans votre tête, au ralenti, ce qui a engendré cette colère qui a explosé. En revenant aux premières diapositives, vous vous rendrez compte que l'afflux de pensées négatives en est la cause. Lâcher prise immédiatement sur la pensée est difficile, puisqu'elle anime une série d'émotions qui engendrent la colère, suivant les critères culturels et donc émotionnels qui nous ont été appris. Aussi, prendre un moment pour méditer, c'est s'autoriser une plénitude qui éclaircit notre pensée, élimine le superflu et revient à l'essentiel de notre être, celui qui est commun à l'ensemble du vivant, et donc bienveillant. À travers cette chronique, je souhaiterais remercier le monastère Kanchoji en Dordogne, qui m'a accueilli avec bienveillance et amitié. Parce que tout ce que vous venez d'entendre fait déjà partie du passé, essayez de suivre le flux de votre pensée et regardez-la. Engendrer en vous des sensations positives ou négatives sur ce qui a été dit dans cette chronique. Elle joue constamment. Aussi, maîtriser le flux de la pensée, c'est s'accorder une pause bien méritée. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment ? Super green, aussi green que ça peut être. Green, 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 green,